Jeudi 22 novembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue ensemble dans ce journal. La rédaction de Grand Littoral TV se joint à moi pour vous souhaiter une bonne journée. On commence avec vos prévisions météo. La vague de froid persiste aujourd'hui dans la région du Nouveau. Des températures négatives, un relevé ce matin, un taux et dans la journée, le thermomètre n'affichera pas plus de 5 degrés à Calais ou Dunkerque, 6 degrés cet après-midi à Saint-Omer. Côté ciel, heureusement, le temps sera bien dégagé, clair et lumineux partout, même si de nouvelles perturbations et des pluies sont à craindre en fin de journée. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une d'abord, la mobilisation des Gilets jaunes dès hier soir, cette nuit et jusqu'à 8h ce matin. La mobilisation concernait de nouveau le rond-point de l'échangeur 43 à Calais Centre sur la 16. Des blocages dans les deux sens, des ralentissements et les forces de l'ordre sont intervenues. Les Gilets jaunes ont donc été forcés de lever le camp. D'autres points de blocage seront peut-être à craindre aujourd'hui dans la journée. Nous en bien sûr évoquerons les conséquences tout à l'heure dans nos prochaines éditions. En pleine mobilisation sociale d'ailleurs, revenons sur cette déclaration cette semaine de la maire de Calais. Natacha Bouchard a annoncé réfléchir à la gratuité des bus urbains à l'horizon 2020. Dunkerque a déjà validé cette réflexion en mettant en œuvre la gratuité des bus depuis septembre. À Calais, la mairie assure y penser aussi depuis plusieurs mois. Mais pour Natacha Bouchard, la mobilisation citoyenne des derniers jours l'aurait poussé à annoncer dès maintenant sa volonté d'accélérer dans ce dossier. La mesure pourrait être en partie financée grâce à l'augmentation de taxes sur les transports payées par les entreprises. Les Calaisiens voient plutôt d'un bon œil la gratuité des bus. Ils sont au micro de Marine Kijek. Si c'est gratuit, c'est quand même intéressant. On refuse pas les gratuités. On serait d'accord que pour permettre qu'il y ait un plus, un mieux pour la ville de Calais, les gens se déplaceraient et plus facilement. Elle est dans les petits villages et tout ça, c'est vrai. Déjà, le pouvoir d'achat, c'est quand même malgré tout 1 € à chaque passage. Bon, pour nous, ça va encore, mais pour une famille avec des enfants, ça fait, s'il y a 3-4 personnes, ça fait 4-5 € par jour. 4-5 € par jour, s'ils y vont une fois par jour, c'est beaucoup d'argent, quoi. Voilà. Non, ça améliorerait le niveau de vie des gens, c'est évident. Autre actualité dans ce journal, les principaux acteurs de l'agriculture régionale étaient réunis hier à Lille au Conseil régional pour une réunion de travail en vue de la future PAC, la politique agricole commune pour la prochaine période 2021-2027. Tous les 6 ans, en effet, l'Union européenne renégocie et vote les priorités et le budget de cette politique devenue au fil des décennies vitale pour nos agriculteurs. Face à eux hier, les élus régionaux ont donc débattu des prochains enjeux de la PAC pour garantir le développement et la modernisation de l'agriculture, pérenniser et harmoniser les revenus, stabiliser les marchés, garantir les débouchés. Explication au micro de Margot Sailly avec Marie-Sophie Laine, vice-présidente du Conseil régional. On veut d'abord être sûr que la politique agricole commune ne sera pas en diminution après 2020. Donc le premier enjeu est déjà là. Il faut absolument que le gouvernement français, comme il semble s'y engager aujourd'hui, mais tienne bon sur cette position. Parce qu'on est aujourd'hui très, très demandeur de fonds pour moderniser notre économie agricole et on est encore en pleine mutation. Les exploitations agricoles ont besoin à la fois du premier pilier pour vivre, mais aussi d'un second pilier dont la région est responsable et qui sert aux investissements productifs pour moderniser l'agriculture. Il y a un enjeu bien sûr économique, d'emploi, mais il y a aussi un enjeu d'aménagement du territoire, de notre territoire rural, et puis un enjeu tout simplement d'environnement et un enjeu sociétal. Donc le premier enjeu, il est très général, mais il est bien, bel et bien là. Une toute autre actualité au chapitre santé. Après Octobre rose pour le cancer du sein, il y a en ce moment même Movember pour le cancer de la prostate. Les hommes sont en effet invités au mois de novembre à se laisser pousser la moustache en guise de soutien. Mais les femmes aussi peuvent participer en se laissant pousser les cheveux et en les donnant. Il est en effet possible aujourd'hui de faire un don via l'association Solid Air. Les mèches de cheveux ainsi collectées sont ensuite vendues à des perruquiers. Et avec l'argent récupéré, l'asso peut acheter des prothèses capillaires pour les personnes atteintes du cancer. Pour être plus efficace encore, 2 étudiantes de l'ISA à Lille ont incité leurs camarades à se laisser pousser leurs cheveux durant 5 mois de césure, cette période de coupure d'études obligatoires. Explication au micro de Margot Sailly. Alors aujourd'hui, on organise avec Claire et donc avec plusieurs autres étudiantes de l'ISA Lille, Movember. Donc pour la 2e année consécutive, c'est un don de cheveux groupé qui a pour but de faire connaître en France et plus particulièrement dans les Hauts-de-France le don de cheveux. Donc on a fait un événement Facebook, on propose aux filles qui ont plus de 25 cm de cheveux de venir donner leurs cheveux. On a invité des coiffeuses qui viennent bénévolement. C'est grâce à ça qu'on arrive à faire un événement totalement gratuit.
Et donc elles viennent donner leurs cheveux, et avec les cheveux, donc on les donne à une association qui s'appelle Coupe des Classes, une association belge qui vend les cheveux à des perruquiers. Et avec l'argent qu'ils récupèrent, ils peuvent subventionner des perruques à des femmes atteintes de cancer qui ont perdu leurs cheveux et qui ont des faibles revenus. Pour terminer ce journal, d'autres images dans le cadre du programme de mini-entreprise EPA Entreprendre pour apprendre. Une classe de 3e du collège Jean Jaurès d'Aire-sur-la-Lys a décidé de créer une mini-entreprise fabriquant des bloc-notes et elle organise donc pour cela des collectes de fournitures scolaires. Le but à l'arrivée, c'est d'en faire don à une école péruvienne. Le pays sud-américain est traversé cette année par le Dakar, le rallye automobile. Les élèves en ont donc profité pour contacter Axel Dutitre, gérant de Dragon Distribution et pilote du rallye depuis 3 ans. C'est lui qui transmettra sur place les fournitures collectées à l'association Mano a Mano, présente au Pérou. Explication complémentaire avec une des collégiennes, Louise Koch, participant à l'opération, qui nous raconte cette aventure. On a eu plusieurs idées au départ dans les premières heures de mini-entreprise. On a fait des brainstorming donc pour savoir un peu toutes les idées que chacun pouvait avoir. Et en parlant, en discutant, on s'est mis d'accord sur ce projet donc d'envoyer des fournitures dans un pays qui en avait besoin. Et on a trouvé le Pérou. Et de fil en aiguille, on a monté ce projet. Et quand on s'est dit qu'on allait envoyer des fournitures, au départ, on voulait les acheter, puis les envoyer. Mais on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez de temps pour produire nos bloc-notes et ensuite faire les bénéfices, réussir à acheter, puis envoyer. Donc on a fait des collectes dans les écoles de notre secteur et ça s'est super bien passé. On a récolté énormément de fournitures, donc on va pouvoir envoyer dans plein d'autres pays, partout dans le monde. On termine avec l'actualité sport du jour sur le littoral, d'abord en basket, en Jeep Elite. Le BSM Gravelines Dunkerque reçoit à Chalon-Reims ce soir 20h à Sportica. Et puis en football, en national, l'USBCO accueille Rodez pour un match de haut tableau. C'est ce jeudi soir, exceptionnellement 20h30 à la Libération, car le match est diffusé à la télévision sur Foot+. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. Dans un instant, d'autres infos, d'autres images, notamment vos prévisions météo dans 20 secondes à peine. Très belle journée à toutes et à tous.